Nous continuons avec notre sujet qui s'intitule un discours archémique. Et nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu, le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Nous pouvons le faire tout en restant assis. Matthieu 4, 1 à 11. Il est écrit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Merci Seigneur de nous instruire. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension et chasse de ce lieu tout esprit d'incrédulité et tout ce qui ne confesse pas ton nom, dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Nous parlons autour du thème qui s'intitule un discours archémique. Nous avons expliqué ce que cela voulait dire. Nous avons dit qu'un discours archémique, c'est un discours dans lequel on masque la vérité. Nous avons dit qu'un discours archémique, c'est un discours qui véhicule le mensonge. Ou encore un ensemble de propos mensongers. Et il était important de préciser qu'en matière de discours archémique, il existe un expert. Un expert dont l'expertise est certifiée par la parole de Dieu. Selon Jean chapitre 8, le verset 44, lorsque vous lisez quelque part, il est dit que le diable est un menteur et il est le père du mensonge. Et donc, il est un expert.
Et la leçon qu'il fallait tirer à ce niveau, c'est la méfiance. Il fallait absolument comprendre que vis-à-vis du diable, il faut se méfier. On ne peut pas tromper celui qui est le père du mensonge. Et vous ne pouvez pas affronter le diable dans son propre jeu. Le mensonge, c'est le domaine du diable. Il est un expert en discours archimique. Alors s'il te plaît, vraiment s'il te plaît, dis encore à quelqu'un, méfie-toi du diable. Porte ton masque, dis-lui méfie-toi. Dis-lui, comme tu as peur du coronavirus, méfie-toi aussi de Satan. Tu vois comme tu te méfies du corona. Méfie-toi aussi de Satan. Parce qu'il est très dangereux. Alléluia. Amen. C'est important, bien. Et donc, nous avons montré le premier exemple dans lequel nous voyons le diable exercer son art, c'est-à-dire le discours archémique. Nous avons commencé par l'Ancien Testament. Nous étions dans Genèse chapitre 3, 1 à 5. Et là, il était question du premier Adam. Qui, suite à l'ignorance, se laissera tromper par le diable. Il sera pris par le filet du discours archémique. Parce qu'il avait un souci, celui de devenir comme Dieu. Pendant qu'il l'ignorait, qu'il était déjà comme Dieu. Car Dieu n'a pas créé des hommes différents de lui. Mais il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Cela m'a donc conduit à éveiller la conscience de l'Assemblée. Je nous ai supplié de comprendre que tout ce que le diable nous propose, nous l'avons déjà en Jésus. Bien-aimé, ça c'est ce qu'on appelle l'essentiel du message. Tu peux tout oublier, mais n'oublie pas l'essentiel. Tu peux tout oublier, mais n'oublie pas que tout ce que le diable peut te demander, te proposer, tu l'as en Jésus. Lui, son rôle, c'est de te présenter une chose comme si c'est la vérité, mais ça ne l'est pas. J'ai dit l'autre fois au deuxième culte, comment demander à un chaton d'être comme un chat? Même si c'est un chaton, il est le diminutif du chat. Vous n'allez pas lui demander à être comme un chat parce qu'il est déjà comme un chat. Alléluia. Amen. Même si c'est un chaton, c'est un chat. C'est ça même. Aza nyaou yamouke. Mais aza nyaou. Donc, dans la même logique, quand le diable te dit, fais ceci, tu auras cela, tu dois pouvoir lui dire, nazanango déjà. Et si nazanango, atana nous nashimbi angote. Même si je n'ai pas encore touché. Atana nous namoni angote. Même si je n'ai pas encore vu ça. Atana nous babengingate. Même si on ne m'a pas encore appelé. Mais je sais. Nayebi.
Je sais. Je n'ai pas encore vu. Mais je sais. Parce qu'il y a une différence entre voir et savoir. Je n'ai pas encore vu. Mais je sais. Parce qu'il je n'ai pas encore touché. Mais je sais. Parce qu'il je n'ai pas encore entendu. Mais je sais. Parce qu'il je sais que je n'ai pas encore vu. Tout d'un à nos voisins. Aujourd'hui, demande à ton voisin que tu cherches. Tout n'est bien aujourd'hui. Demande-nous bien. Qu'est-ce que tu cherches? Yebisha nyosho ojoluka ozanango déjà katinae. Tu lis tout ce que tu cherches et tu en as dans en Jésus-Christ. Yebisha, ce n'est pas un pasteur qui peut te donner ça. Et on va devoir te repérer ça yotin. Yebisha, ce n'est pas une église qui peut te donner ça. L'église est tenue te repérer ça yo. Celui qui peut tout te donner. Son nom c'est Jésus. Comme on a Jésus. Je dis son nom c'est Jésus. Comme on a Jésus. Je dis son nom c'est Jésus. Comme on a Jésus. Moi je peux t'imposer la main. Il n'y a pas de miracle. Mais quand Jésus t'impose la main, je dis écoratete. Jésus peut tout te donner. Comprends cela, bien-aimé. Ce soleil est mon ami. Et tu verras que même le souci va partir de soi-même. Parce que pourquoi je vais pleurer? Parce que tout j'en ai en Jésus. Vous avez déjà vu l'enfant du président pleurer? Vous avez déjà vu l'enfant d'un roi pleurer? Et alors toi qui es l'enfant du roi des rois, toi qui es l'enfant du Seigneur des seigneurs, pourquoi pleures-tu? Même si nous jouons le loté, l'obi déjà moukolo, c'est juste une question de temps. Alléluia. Amen. Na deuxième culte, na pêche à qui exemple, il y a flèche. Flèche en lingala, c'est quoi? Tolo tolo. Hein? Tolo tolo. Pour lancer la flèche, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Okay. Ça là, dans le mouvement là. Oh. T'es chalango bien. Pour lancer la flèche, il faut quoi? Tirer. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il faut tirer pour que la flèche aille? Bien aimé, la vie de plusieurs, c'est comme la flèche. Pour qu'un de moussika, il faut un jonga sima. Yes. Ah. Alléluia. Mais pour aller loin, Dieu te tire d'abord en arrière. Je ne suis pas en retard. Pourtant, moi, je m'en ai eu, je suis à la chambre. Mais tant que j'étais à Jotonga, t'as là où la Joloba. À Jomilobela, si le lot n'a pas l'été, si le lot n'a pas l'été, les bichets voisins, autant qu'on a pémin. Les lots, il faut y aller, n'a jamais arrêté. La joie du chayon n'a jamais arrêté. Yes. La joie du chayon n'a jamais arrêté. Yes. Attends, oh boy. M'en fous. Et t'as ligaté. Bon. Alléluia. Amen. Toi, tu iras loin. C'est pourquoi Dieu te tire en arrière. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, Seigneur, les amis avec qui j'étudiais ont déjà le travail. Moi, je n'ai pas encore de travail. Dieu est en train de te faire. Seigneur, et si déjà Babali, Dieu est en train de te faire. Mais il y a un jour, je dis, il y a un jour où l'Éternel te lancera. Ça sera spectaculaire. Yes. Alléluia. Bien aimé, Yébisha voisin, je ne suis pas en retard.
retard. J'ai lu ma Bible. J'ai fait une découverte spectaculaire. Vous savez que quand Dieu voulait détruire le monde, nous sommes dans Genèse. Il parle à Noé. Il lui dit, le mal a atteint son paroxysme. Alors Noé, qu'est-ce que tu dois faire? Construis l'arche. Je vois Dieu donner à Noé même les précisions de l'arche. Il lui dit, tu mettras la porte ici. Tu mettras la fenêtre ici. Maintenant regarde. Dieu laisse à Noé le rôle de construire l'arche et de décider de comment sera l'arche dans son design. Mais il y a un rôle que Dieu ne donne pas à Noé. Tout n'a pas pasteur Ezani. Tout n'a pas pasteur Ezani. Demande au pasteur qu'est-ce qu'il y a un rôle que Dieu ne donne pas à Noé. Quel est ce rôle? C'est celui de fermer la porte. Dieu s'accapare de ce rôle. Dieu s'accapare du rôle de fermer la porte de l'arche. Vous savez pourquoi? Parce que là où il y a les hommes, l'injustice ne manque pas. Dieu sait que si Noé ferme la porte de l'arche, l'animal le moins rapide sera disqualifié. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Noé, Noé, tonga na yo arche. Tiens couleur, tiens. Mais mutu oya kokanga porte. Oh, ejanga. Yes. Bien aimé, onigami. Puisque c'est Dieu qui a la clé de fermer la porte, tu peux dormir tranquille. Yes. Puisque Dieu est là, Dieu ne fermera pas la porte avant que toi tu entres. Yes. Assieds-toi, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Dieu prend ce rôle parce qu'il sait qu'il y a des animaux qui ne courent pas vite. Alors lui-même est à la porte. Noé, tonga. Mais c'est moi qui vais fermer. Je sais qu'il y a des animaux qui ne sont pas rapides. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas du coup. Je sais qu'il y a des gens pour comprendre, il faut des années. Dieu reste à la porte. Quelle est la bonne nouvelle pour toi? Puisque Dieu est à la porte, tu auras aussi ta place. Je dis tu auras aussi ta place. Je dis tu auras aussi ta place. Je dis tu auras aussi ta place. Ton ami s'était marié, mais ce n'est pas elle qui a clôturé la liste. Il y a quelqu'un que Dieu a élevé, mais ce n'est pas lui qui a clôturé la liste. Je suis élevé pour que par moi Dieu te lève. Tu es le prochain. Retiens ce que je te dis. Je dis tu es le prochain. Je dis tu es le prochain. Je dis tu es le prochain. Alléluia. Amen. Assieds-toi bien aimé. Deuxième exemple, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Notre texte de base. Et vous voyez ici, nous voyons comment est-ce que Satan essaye de piéger le second Adam.
Il essaye de le piéger. Dans Genèse, il a réussi à piéger le premier Adam. Dans Genèse 3. Dans Matthieu 4. Il s'est dit, je dois aussi piéger le second. Mais regarde maintenant ce qui se passe. Que quelqu'un dise, pasteur, prêche. Bien aimé. Dans Matthieu 4, ça n'a pas été facile pour lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a rencontré un adversaire de taille. Il a rencontré un coriace. C'était facile avec Ève. C'était facile avec Adam. Ils étaient faits de chair. Ils étaient poussière. Mais le second Adam, c'est le roi des rois. C'est le seigneur des seigneurs. Satan pensait qu'il allait à Kanisaki. Mais le second Adam, il a tête. Dans l'ancienne alliance, Adam tombe dans le piège. Le premier Adam tombe dans le piège. Mais dans la nouvelle alliance, le second Adam refuse de tomber. Le second Adam refuse catégoriquement de tomber dans le piège du discours archaïque. Satan essaye, mais ça ne marche pas. Il y va jusqu'à trois fois. Il essaye. Il essaye. Il essaye. Pourtant, le premier Adam, c'était seulement un coup KO. Mais avec le second Adam, il a essayé. Il a essayé. Il a esquivé. Il a esquivé. Troisième fois, Tango Meki a esquivé à Betiekou, bon. À Kouaikao. Bon. C'était ça le combat ce jour-là. Yes. C'était ça le combat ce jour-là. Tu dois savoir que le second Adam est venu corriger l'erreur du premier Adam. Matthieu 4 n'est que la rediffusion de Genèse 3. Nous sommes comme dans Genèse 3. Le second Adam corrige là où le premier a failli. Oyo, bisika Adam ali bosa koyaki. C'est qui le second Adam? Adam ali bale zanani. C'est Jésus. Ezaye sou Christo. Il a refusé d'être pris par le piège. Ye apoyaki ko pena motambo. Il a refusé de tomber dans la tentation. Et bien aimé, tu dois savoir que si Jésus a refusé, toi aussi tu peux refuser. Tu peux refuser. Okay, si Jésus a dit non, toi aussi tu peux dire non. C'est plus fort que moi. Non, ne copie pas le mauvais exemple. Copie le bon exemple. Copie le bon exemple. Jésus a refusé de tomber dans le piège. Toi aussi tu peux le faire. Pourquoi tu peux le faire? Parce que aujourd'hui Jésus vit en toi par le Saint-Esprit. C'est lui qui a dit non à Satan dans Matthieu 4. Il est en toi par l'Esprit qui l'a envoyé. Et donc en étant en toi, en étant en moi, il nous donne le pouvoir de dire non à Satan. Bien aimé, tu peux dire non à Satan. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a raconté. Mais je te prêche la parole de Dieu. Tu peux dire non à Satan. Porte ton masque.
Dis au voisin, tu peux dire non à Satan. Yabishaï, tu peux dire non à Satan. Dans quel domaine Satan vient tenter Jésus? J'ai pris ici deux domaines. Premier domaine, nous sommes dans Matthieu 4, au verset 3. Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Le premier domaine dans lequel Satan essaye de piéger Jésus, c'est le domaine de l'alimentation. Jésus vient de jeûner. Il était en retraite. Il avait faim, c'était normal. Le corps avait beaucoup travaillé. Mais le diable vient et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Bien-aimé, en temps normal, Jésus devait faire ça. Parce qu'il avait faim. Mais pourquoi il a dit non? Pourquoi il a refusé? Parce que Satan est un expert en discours archémique. Il masque la vérité. Oui, tu as faim. Mais fais ma volonté. Jésus comprend ça. Et il lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un peu l'exemple de quelqu'un ici. Tu voulais jeûner. Tu voulais être en retraite avec nous. Mais Satan est venu souffler tes oreilles. Tu ne peux pas jeûner. Sinon tu vas mourir. Sinon tu seras malade. Tu ne peux pas te passer de la nourriture. Tu ne peux pas te passer du foufou. Tu ne peux pas te passer des aliments. Non, bien-aimé, l'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme vit aussi de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu ne vois pas que tu étais venu ici affamé, mais à force de m'écouter, la faim t'a déjà quitté. Tu ne te poses pas la question, qu'est-ce qui fait ça? C'est la parole de vérité que tu entends. Elle donne la force à tes os. Elle te redonne de l'énergie. Oui, tu vas manger, mais l'homme ne vit pas de pain seulement. Entre manger et ne pas manger, pour la gloire de Dieu, je choisis de ne pas manger. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé pendant une semaine que tu vas mourir. Nous mangeons à 18h. Alléluia. Yes. Mais il y a des gens, quand tu lui dis 18h, je mon un kilo. Je dis, pasteur, c'est un peu de coca. Pasteur, il y a un liac. Na 7h na banana na boule nationale. Bon. Ah bon? Alléluia. Amen. Et bien, sa voisin ne vit pas de pain seulement. Vit aussi de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un autre domaine dans lequel il tente Jésus. Et nous sommes au verset 8. Dans la molonga mwambe. Il est écrit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan.
Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu lui serviras lui seul. Voilà le domaine le plus fréquent dans lequel le diable vient avec le discours archémique. Ici, Satan te présente la gloire. Ici, Satan te présente la richesse. Ici, Satan te présentera la renommée. Vous avez besoin d'enfants, Satan te présentera les enfants. Vous avez besoin de vous marier, Satan te présentera le mariage. Vous avez besoin du succès, il te présentera le succès. Mais à une seule condition, que tu te prosternes et que tu lui adores. Bien-aimé, si je dois manquer le succès sur cette terre et gagner le ciel, je préfère manquer le succès. Même si je ne serai pas classé dans la liste des personnes les plus riches, avec le peu que j'ai, si ça me permet de rester chrétien, je choisis de manquer la richesse. Bien-aimé, tu dois savoir quelque chose. Tout ce que le diable te présente n'est qu'un cadeau empoisonné. Tu peux être là, tu marches, tu te sens essoufflé. Le diable vient, il te présente un véhicule, il te dit entre dedans, tu ne seras plus essoufflé. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu comprendras que ça c'est un piège. Oui, j'ai besoin d'un moyen de transport. Mais je refuse tout ce qui vient du diable. Je refuse tout ce qui vient du diable. Bien-aimé, refuse tout ce qui vient du diable. Refuse tout ce que le diable te montre. Refuse tout ce que le diable te propose. Attends ce que Dieu a pour toi. Attends ce que Dieu te réserve. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manquer. Mais il y a aussi un temps où le Seigneur peut te donner ce que tu avais manqué. Nous aimons le succès. Nous aimons la gloire. Nous aimons ces choses. Mais si c'est le diable qui propose, la réponse est claire. T'obéis. Il y a quelqu'un qui se dit, bon, ceux qui pèsent bien, n'en dit makaka. Mais je te dis la vérité. Attends ce que Dieu a pour toi. Ne va pas fabriquer une bénédiction. Ne va pas fabriquer un mariage. Ça, histoire péché là. Non, bien-aimé. Tu peux attendre. Je dis, tu peux attendre. Je te dis, tu peux attendre. Ce n'est pas ça un problème. Jésus a déjà réglé le problème de la médecine. Yes. Alléluia. Amen. Yébissa voisin, attends ce que Dieu veut pour toi. C'est là où nous allons pour ça pour nayo. Yébissa, attends ce que Dieu veut pour toi. C'est là où nous allons pour ça pour nayo. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ça. Retiens que tout ce que le diable veut te donner, il te le donnera toujours avec une condition. Il y aura toujours une condition. Et cette condition peut te coûter le ciel. S'il ne te demande pas de sacrifier quelqu'un, il te demandera d'abîmer quelque chose en toi. Il te demandera d'abîmer quelque chose chez les gens. Le diable ne te donnera jamais rien gratuitement.
il te les donne parce qu'il sait qu'il peut les reprendre. Combien de personnes aujourd'hui ont l'argent mais ne dorment pas la nuit? Parce qu'on les a dit, chocolat li au koufi. À quoi ça sert? Mais que je dorme la nuit. Yes. À quoi ça sert d'avoir des millions et la nuit je ne dors pas? Satan a jamais. Yes. Ndeko, Satan a jamais. Yes. Combien aujourd'hui Bonia ont sacrifié leurs membres de famille? Ba fier leurs frères, sacrifier les chances des autres à cause de la gloire, à cause de la richesse, à cause de la renommée. Tu n'as pas besoin de ça. Mais si Satan ne t'a pas encore demandé le sang, il va te le demander. Satan est un menteur. Il te dira ce n'est rien de grave. Salakaraboe, salakaraboe. Chouka, chouka, il y aura du sang qui va couler. Si ce n'est pas le sang de quelqu'un d'autre, ça sera ton sang. Et bien sa voisine d'écho, tu n'as pas besoin de ce que le diable te propose. Tu fais quoi derrière le mbikoudi? Tu qu'est-ce que tu fais avec ces gens, mon frère? Et aujourd'hui même des pasteurs derrière le mbikoudi, derrière le nganakishi, parce qu'on veut être plus populaire. Que le Seigneur nous pardonne ce genre de pasteur. Vous le voyez là prêcher, mais il est allé dans les cimetières. Il sort avec le protocole. Il sort avec les chantres de son église. Un épidique, mais qui a le micro. Que Dieu punisse ces gens. Nous nous sommes de la race de ceux-là qui condamnent le péché. Nous n'acclamons pas le péché. Nous acclamons Jésus. Nous condamnons le péché. Attends, j'en ai 5 personnes. Pourquoi tu vas toucher le fétiche? Yes. Pourquoi tu vas toucher le fétiche? Pourquoi tu vas toucher le fétiche? La Simba qui s'il a été à pasteur Ezekiel, Salananou. Bon. Hein? La Simba qui s'il a été à l'été Thomas, Azamoutou ya Chocho, Salananou. Bon. Et puis c'est un gros coup fa. Togo Kunayo peut te mêler café. Bon. Je te dis la vérité. Tu veux entrer dans une entreprise? On va te la encore. On te dit ici. Et puis c'est awa. Si tu veux avancer, c'est okay, le tu dois faire ça. C'est où ça le tu dois faire ça. C'est le tu dois faire ça. C'est le bien aimé. On est amis. Je te donne un conseil. Après toli. Quand tu te retrouves dans ce genre de milieu, fouille. Kima. Je dis fouille. Kima. Je dis fouille. Kima. Combien ici? Bonnie Awa. Ce sont des hommes. Mais ils ont couché avec des hommes pour le travail. Le patron te dit, si tu veux entrer ici, il faut Nabi Manayo. Et il y a des gens qui sont tombés comme ça. Aujourd'hui, on a Mobali, mais. Ah mon Dieu. Hein? Est-ce que je peux te prêcher? La côté, je dois te dire ces choses. Parce que si je ne te les dis pas, le Seigneur me demandera des choses. Quand je te les dis, je tremble. Parce que c'est la parole de la vérité. Tu n'as pas besoin de sortir avec un homme pour travailler. Tu n'en as pas besoin.
Tu n'as pas besoin d'être deuxième bureau, troisième bureau, 24e bureau. Tu n'en as pas besoin. Une fille, heureusement qu'elle n'était pas devant moi, j'allais crier sur elle. Elle dit, pasteur, vaut mieux kobeta na barcha que kobeta na imana. Hein? Soka za la rapembe nanga. Elle gagne la choye. Bon. Elle dit ceci. Abiboye. Mieux vaut jouer remplaçant na club ya barcha. Hein? Que joueur ya libosho, c'est vous les appelez comment? Titulaire na club na bisho a imana. Bon. Mais elle voulait juste justifier que attends dans ça c'est 24e bureau et Salinine. Et c'est l'autre. Cher, on comprend les fellow. Bon. Mais je te dis la vérité. Boye. Oh non, naja attirante. Non, mon bali nini pena kokota langate. Cher, bon. Tu retourneras la poussière. Oh, toutes tes chefs me retourneront la poussière. Mais c'est vraiment la poutine. La beauté est vaine. Mais tu te ne peux pas mal. Les lobachons loup la yo, mais demain tu vas vieillir. Boye. Tu n'es pas permis de faire ces choses. Oh, pasteur, si tu as un peu de dîmes, comme une offrande, voilà, tu n'as pas besoin d'aller te prostituer pour amener l'offrande. Attention, comme une tête, retourne à péter. Oh, yeah. Ces serviteurs qui suivent les fidèles, mais il y en a qui ne le font pas. Il faut un peu de respect. Yabiche, omoni make-up. Hein? Kuna eshilaka. Bon. Oja putulu. Bon. Okojongana putulu. Tu n'as pas besoin de ça. On a posé la ngoten. Tu n'as pas besoin de ça. On a posé la ngoten. Je te dis la vérité. Yabisebo solo. Tu n'as pas besoin de ça. On a posé la. Il n'y a que Dieu qui veut te bénir. Il n'y a que Dieu qui veut te faire rire. Il n'y a que Dieu qui veut t'emmener très loin. Tu n'as pas besoin de ça. On a poussé d'un côté. Janga Kabelo, mais banga yesh. Yes. Janga rouge à lèvres, yes. Mais banga yesh. Amen. Il y a des filles qu'on a appelées à cause de Kabelo. Mais il y a aussi des filles qu'on a appelées sans cabello. Yes. Si la vie c'était seulement le maquillage, hein? Mais toutes les prostituées sont mariées. Bon. Pourquoi les prostituées ne se marient pas? Parce que la vie c'est pas ça seulement. Frère, tu n'as pas besoin de sortir avec ton patron. Ça vous étonne, mais c'est des choses qui se passent. Il y a des hommes ici qui sont sortis avec des hommes. Ça t'étonne, mais ça se passe. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Na Simba Kishi, na koma Romona, ba benganga prophète, tu vas mourir. Tu vas mourir. Kutuyo komona babiloko ya malamu te okomona kaka ba demon hein bakolanda yo tina butu bon okokufa mabe yo bon. Yo yo hein? Yo alléluia amen. Dis à ton frère Ndeko, oza tu es bien comme ça ozo lukanini tuna enan ozo lukanini Ndeko lukanini za malamu te osolo na nani yebisha ozo lukanini hein. Tu cherches quoi?
tu cherches quoi? Jésus a compris que l'adoration n'est réservée qu'à Dieu. Et il lui dit, retire-toi, Satan. Je préfère marcher à pied. Mais ne pas manquer les chiens. Attends, na jangi visa. Na jangi voyage en Amérique. Na beti deve me simbite. Attends, na jangi yango. Mais que je ne rate pas le chien. Yes. Que je ne rate pas le chien. Quelqu'un se demande, mais pourquoi le pasteur me parle comme ça? Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, c'est sûr que toi et moi nous mourrons. Mais nous mourrons dans quel état? Dans quel état? Quel scandale ça serait de voir même des chantres de l'église manquer le ciel. Des gens qui ont tenu le micro des années et des années, mais manquaient le ciel. Le frère le plus motivé à l'église, mais il manque le ciel. Pourquoi? Parce que quelque part tu as adoré le diable. À cause d'un 10 dollars. À cause d'un 100 dollars. À cause d'un 1000 dollars. Tu es tombé très bas. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Il y a une sœur ici. Il y a l'un de tes patrons qui t'a fait ça. Il t'a dit, avant que je ne t'engage, tu sors avec moi. Et ça t'a troublé. Tu ne savais pas quoi faire. Le Seigneur est en train de te parler. Mais Dieu te voit. Amen. Keba, attends, je suis protégé. J'ai mis quantité, mais les démons peuvent passer. Oh yeah. Attention. Attention. Tu risques d'être possédé. Tu risques d'hypothéquer ton avenir. À cause d'un travail qui n'était même pas pour toi. Tant que patron a beau itika. Alléluia. Amen. Une fille est venue me voir. Papa, nandaku bajoti anga mal à l'aise. Maman jolo banajo jonga nandaku. Baba ninga mishushu bajoya na bakado. Nga najoya maboko pamba. Comment vous faites ça à vos enfants? Mais cette fille va se prostituer. Tu ne peux pas dire ça à ton enfant. Elle va sortir avec des papas. On t'a mené des cadeaux. Honte à toi si tu fais ça à tes enfants. J'ai le pouvoir de te le dire. Dieu sera contre toi. Comment tu peux dire à ton enfant qu'elle aille faire ce que les autres font? Et la fille d'autrui se retrouve maintenant avec quelqu'un qui a failli gâcher sa vie. Au yeux de Dieu, c'est la faute de qui? C'est la faute de ses parents. Ne pousse pas ton enfant dans le mal. Maman, à ta papa, ne me lui embongote. Ne lui pousse pas dans le mal. Yes. Ne lui pousse pas dans le mal. Oh, na Congo, il faut qu'on compte un système. Non, nous sommes chrétiens. Yes. La femme qui se fâche contre son époux parce que l'époux ne lui emmène que des miettes. Autant mieux encore avoir des miettes qu'avoir de l'argent volé. La Bible dit, mieux vaut peu à qui justement que des grands revenus à qui injustement. N'a juste 5000 francs, mais au moins t'orozang a kwangate. N'a juste 5000 francs, mais au moins t'orozang a lipate. Je préfère encore venir avec 5000 francs qu'aller voler et que demain les gens allons là. Soyons chrétiens, s'il vous plaît.
Amen. Alléluia. Amen. Incline ta tête dans la prière. Mamoto na lesambo. Je vais aider quelqu'un. Na songa moto moko. Nous avons tous nos yeux fermés. Monsieur Akokanga. Je vais aider quelqu'un. Na songa moto moko. Aujourd'hui, c'est ton choix. Pourquoi na poko na yo? Tu t'es prosterné devant le diable. Tu as fait sa volonté. Tu t'es prostitué. Tu as volé. Tu as adoré le diable. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il veut te sauver ce soir. Si tu es là, s'il te plaît, s'il te plaît, lève ta main. Je veux prier avec toi. La bonne de la bonne. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci pour ceux qui lèvent la main. S'il te plaît, n'aie pas honte. Je vais prier avec toi. Afin que Dieu t'aide. Pour un téléphone, tu es allé faire des choses abominables. Jésus t'appelle. Pour un parfum, tu es allé faire des choses abominables. Pour le loyer de la maison, tu es allé faire des choses abominables. Jésus t'appelle. S'il vous plaît, levez-vous. Ceux qui ont levé leurs mains, levez-vous. Nous tous, nous avons nos yeux baissés. Nos yeux fermés. Vous qui avez levé votre main, levez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais vous aider dans la prière. Commencez à vous répentir. Commencez à demander pardon à Dieu. Dites-lui, j'ai péché. Je me suis mal comporté. À l'université, j'ai corrompu. J'ai triché. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Père Céleste, je te recommande ces bien-aimés qui se répandent ce soir. Pardonne, Seigneur, le péché. Pardonne le mal qui a été commis. Quelle que soit sa nature, quelle que soit sa forme, s'il te plaît, pardonne. Relève celui qui était tombé. Redresse celui qui était courbé. Fortifie le frère. Rends davantage fort ce qu'il était déjà. Ses bien-aimés reviennent vers toi. Purifie-les par ton sang. Et remplis-les du Saint-Esprit. Aide-les à ne plus tomber. Mais qu'ils restent chrétiens. Qu'il reste enfant.
Je prends autorité contre toute la puissance de ténèbres d'être vous. Tout ce qui est entré par le péché, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Soyez complètement purifiés. Soyez complètement transformés. Je vous déclare béni. Au nom de Jésus, reprenez vos places. Je prie pour tout le monde. Père, je te recommande ces bien-aimés, même ceux qui ne se sont pas levés mais qui étaient concernés. Je sais, et tu me l'as dit, ils étaient là. Je te prie de pardonner. Je te prie de les excuser. Je te prie de les purifier. Et aide-les, Seigneur, à ne pas retourner dans ce péché. Que la puissance du péché soit brisée. Et qu'il ne tombe plus dans le piège du discours archémique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi pris. Nous acclamons pour le Seigneur. Que quelqu'un acclame pour le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser les cris de victoire? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Gloire à Jésus.